Donc, avec l'outil dégradé, on trace et c'est un dégradé qui se met sur toutes les formes sélectionnées. Pour modifier les couleurs, donc menu fenêtre, dégradé de couleurs. Donc, en double-cliquant sur une couleur, ça fait apparaître le modificateur de couleur. Ah tiens, il est CMJN. Si je veux des couleurs vives, je vais passer en RVB ici. Sauf que mon document est en mode colorimétrique CMJN, donc les couleurs vives, je ne saurais pas les avoir. Petit rappel d'hier, fichier mode colorimétrique du document, couleur RVB. Là, je recommence le processus, mais c'est juste un détail, hein. C'est juste si je veux des couleurs vives, je dois double-cliquer sur l'échantillon, je suis en RVB, j'arrive à mettre des couleurs vives, c'est bien. Bien sûr, pour enlever une couleur, si je le fais en ayant l'objet sélectionné, c'est encore mieux. Pour enlever une couleur, c'est donc prendre l'échantillon et le sortir du dégradé. Voilà. Voilà, c'est des choses qu'on a vues hier. Et donc, voilà, c'est possible de modifier un dégradé qui a été appliqué à travers plein de formes grâce à l'outil dégradé. Vous pouvez encore le modifier par la suite avec la palette dégradée. Intéressant.